Donc voilà les loulous, on y est. Enfin on y est, vous savez pas qu'on était là, mais Donc voilà, je suis avec Charlotte. Et on va aller justement faire une toute petite rando. Vu que j'ai encore un petit peu mal au genou, je me suis acheté une petite genouillère rotulienne pour tout ça. Et donc voilà, on est à côté de Lemberg, petite randonnée qui se prévoit. On va aller faire justement, on va aller visiter donc rapidement, aller voir le rocher des trois figures. Et puis après, j'ai vu sur la carte qu'il y avait trois petites grottes dans les alentours. Donc je sais pas si on marchera énormément, mais bon, on va vous filmer tout ça, vous montrer les petites grottes. Les petites grottes à côté de Lemberg. Donc voilà, Miss se prépare et on y va. Allez go, c'est parti. Ouais, Oustique. Donc on est à la source Saint-Hubert. 360 mètres d'altitude, regarde ça. De l'eau qui coule. Et hop, qui arrive direct dans un bassin. Voilà. Voilà. Bon allez, c'est parti. On va où là? Maintenant on va suivre nous Triangle Rouge je crois. Ouais. Allez on y go, c'est parti. Ouais, le rocher des trois figures. Hop, en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais donc on a un bonhomme ici et un bonhomme ici et un troisième, non? Ouais, j'allais dire, je sais pas où il y a le troisième par contre. Je n'arrive pas à cerner correctement, mais en tout cas, voilà, dieu et déesse celtique. Voilà, super, super, super. Ah, très sympa. Allez, on continue, on a des grottes à aller voir. Partons. We'll be right back.
Bon les amis, première grotte. La grotte de Schorfelsen, c'est ça? Ouais. Voilà. En fait, c'est un gros rocher. Similaire au rocher de Diane, pour ceux qui connaissent. Un gros rocher, comme ça. Donc voilà. Et donc là, on va se diriger vers donc, le deuxième rocher, qui est un peu plus loin, pour ensuite revenir vers la voiture et croiser le troisième rocher. Voilà, allez. Mais super sympa. On peut même bien dormir ici. Ouais, c'est top pour dormir là. Vous avez besoin d'un abri, ben voilà, vous êtes couvert. Super. On y va? Oui. T'es prête? Oui. Allez, on y va. Voilà les amis, grotte du Krippenfelsen, pas énorme non plus, mais comme vous pouvez le voir, là il y a un début de grotte, mais après justement on peut faire un barbecue. Exactement, on peut faire un barbecue. Ouais, ils ont creusé et tout là-bas. Donc voilà, hop là, voilà. Très sympa comme grotte en fait, super. Donc voilà, ça peut être aménagé, hein. Faudrait mettre une cuisine. Comme dit Charlotte, juste là, un petit grill. Donc voilà. Bon allez, c'est reparti. Direction la voiture et on passera devant une dernière petite grotte. Et on aura vu justement les grottes, quelques-unes des grottes autour de Lemberg. Donc voilà, allez c'est parti. Ouais loulou, la dernière grotte, enfin je suppose que c'est celle-là, on va aller voir un peu plus loin parce qu'il m'a l'air d'avoir encore un petit truc. Et voilà, pas de nom mais je vous mets le nom, c'est la dernière grotte là, je sais plus comment elle s'appelle mais... Donc voilà, c'est les trois petites grottes. Allez, on va aller voir là-bas encore et puis après on se mettra en route sur la voiture. Parce qu'au final, mes genoux me font terriblement mal. Je vais quand même prendre un mois de repos au minimum. Parce que, ouais, j'ai pas pu finir le TMB, donc... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Bon, les loulous, on vous laisse. Merci en tout cas. Ah, attendez une seconde. Il y a peut-être quelque chose ici. On vous montre ça. Ah les amis, en fait, c'est plutôt ça. C'était pas avant. Et en fait, on le voit aussi parce que juste là-bas, il y a le panneau. C'est la plus grande, celle-là. Et c'est la plus grande. Mmh. Ça sent la grotte. Donc voilà. C'est le rocher Haslingerfelsen. Regardez, oh. Tout mignon. Mais voilà, dernière petite grotte qu'on va vous montrer aujourd'hui. Super sympa pour bivouaquer aussi. Ça fait office d'abri, une fenêtre. Totalement. Et voilà, super. Hein? Bon. C'est le dernier endroit. De toute façon, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Allez, gardez-vous bien.